الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركات. Chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui est lié au Coran, comme le dernier testament qu'Allah vient de révéler. Moi, Allah dit le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dans l'ayat karima là, qui tourne sur la Baqara, verset 185, Allah peut dire dans sa grande Ramadan, il fait révéler le Coran comme un guide pour l'humanité. Et aussi, dans laquelle elle a un critère qui est chose bon et qui pas bon pour une âme. Donc, le Coran, c'est une guidance pour toute l'humanité et qui finit révéler le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui nous a dit devant nous aujourd'hui. Mais seulement, nous finissons abandonner le Coran. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre le Coran compte et nous ne pouvons pas étudier. Certainement, il est important pour nous garder savoir. Mais ma chassette Coran, c'est Houdal Linas. Par exemple, aujourd'hui, le gouvernement peut mettre une série de directives et de la loi concernant COVID-19. Et tout le monde peut obéir, faute de quoi nous venons à la manne ou bien prison. De la même façon, Allah, quand il envoie une salle dans la terre, il envoie guidance à travers différents prophètes. Et dernier prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam vient recevoir le Coran. C'est un guide pour l'humanité tout entière. Alors, nous visons à comprendre ça. Il est important pour nous retourner vers le Coran, pour connaître qu'Allah est haut de nous pour faire, pour qu'il nous capable de vivre nous la vie bien, et en même temps, nous capable de passer ce message-là aux autres. Dans le Coran, il y a beaucoup de principes de vie, de principes universels, de bonne gouvernance, d'éthique, etc. Nous avons besoin de dire plus que 3000 versets concernent ça même les issues. Moi, ce qui 1000 versets concernent, man, tout l'ahkam, la loi. La majorité, c'est un exemple, un prophète, avant, un grand monde avant, qui vient, comme il vient comme un modèle pour nous. Et nous a retourné vers ce modèle-là, où nous sommes capables de tirer une leçon et suivre un modèle qui a la fin de dans le Coran. Chers frères et sœurs, nous faisons une analyse où il y a combien de monde, aujourd'hui, dans mon récit ailleurs, qui étudie le Coran. Nous avons moins de 1%. Tandis qu'il nous connaît, qu'il est un guide et nous sommes capables de suivre à la lettre, suivre en directive à la lettre, pour qu'il nous vive bien dans cette dunya-là, nous vivre dans l'obéissance à Allah et nous suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur un principe. Je vous dis, alhamdoulilah, nous avons le Coran de traduction dans beaucoup de langages. Nous avons un tafsir qui était en arabe avant, je vous dis, traduit en anglais. Comme Ibn Kathir, un tafsir récent, comme Mufti Shafi, comme Cheikh Saadi, etc. Tout ça est disponible aujourd'hui. Nous, Internet, il y en a beaucoup de matériel encore, le Coran. Alors, qui nous a fait hein? Faire le Coran, il y a une inspiration pour nous. Il nous a une famille, nos enfants. Nous étudions. Nous avons un groupe qui peut étudier le Coran, qui peut suivre un cours, peut un cours, etc. Et qui nous fait, qui dans, nous bastille dans nos endroits, un imam, un maulana, qui connaît, organise un cours tafsir. Parce qu'il dans la plupart, il y a peine à ça aujourd'hui. Nous aussi, nous au niveau civil, alhamdoulilah, pendant 10 ans, nous avons enseigné le Coran arabique et beaucoup de monde peut bénéficier de ça. Alors nous retournons vers le Coran. Sans retourner vers le Coran, nous ne pouvons pas prendre l'obéissance à Allah et sans l'obéissance à Allah, nous ne pouvons pas gagner ta croix. C'est faux, mon frère et soeur, il est à la portée de nous et Allah t'a fait faire le Coran facile, mais seulement nous, nous devons être plus faux. Comme Allah fait dire le Coran, « Wa atasumu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » Attrape ce livre-là bien fort et pas divisé. Alors, nos messages, retourne vers le Coran, après 100 ans Ramadan là-même, nous commençons à étudier un des pages par jour, nous vous trouvez qui sont en ce moment dans nos vies et dans la vie de nos familles et dans la vie de nos oumma, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah.